Bonjour et bienvenue à la minute technique de SolidWorks Electrocore. Mon nom est Adil et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour changer les données de notre projet en utilisant la commande import-export Excel. Par exemple, moi je veux changer la puissance dans mes moteurs ici. Donc pour ça, je vais exporter les informations en utilisant export vers Excel. Donc je vais exporter les informations des composantes électriques. Donc le logiciel va créer un fichier Excel avec toutes les données électriques. On va voir ça. Donc, vous voyez, on va trouver toutes les informations pour toutes les données électriques dans notre projet. Donc les localisations, les fonctions, les moteurs et tout. Donc je vais par exemple dans la section moteur et je vais changer la puissance de mes moteurs de 10 kW par exemple à 5 kW. Donc je fais un copier-coller sur les autres lignes. Et je sauvegarde. Il faut sauvegarder avant de quitter le fichier. Donc c'est bon, maintenant je reviens sur SolidWorks Electrocore. Et je vais importer les informations, ou bien je vais importer les fichiers que j'ai modifiés. Donc je fais suivant. Vous voyez, le logiciel a détecté que j'ai changé la colonne puissance de mon moteur. Suivant. Donc il me dit qu'il va changer 8 moteurs. Je lui dis oui, terminé. Et vous voyez maintenant, la puissance dans mes moteurs a passé de 10 kW à 5 kW. Donc comme ça, je peux modifier les données dans mon projet directement dans Excel. C'était notre mini technique. Merci et bonne journée.